On m'aurait trompé, apparemment c'est seulement 100 000 euros. Ouais, hein, 100 000. Alors ça vaut pas le coup. Mais si, ça vaut le coup, 100 000 euros quand même. Regardez les lumières dans la salle autour de nous. Ils cherchent tous Stephen Brun. Mais ce ne peut pas être Stephen Brun parce qu'il est avec nous et on lui a interdit de faire ce shoot. Non, 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 Stephen Brun il peut pas, c'est quelqu'un en tribune évidemment. Alors. En tribune qui va être repéré grâce au bracelet justement. Grâce au bracelet. Je crois que tous les bracelets vont s'éteindre. Il y en a un seul qui va rester éliminé. Ce sera le, d'accord, l'heureux élu, d'après ce que j'ai compris. Alors, bon, le tout, ce serait quand même bien de choisir quelqu'un qui est capable de balancer le cuir à une quinzaine de mètres, parce que c'est ça. C'est à peu près ça, David. Un tir du milieu de terrain, c'est à peu près 15 mètres. Alors, de quel côté ça se situe? Le monsieur en violet. Bon. Comme le shooter à 100 000 euros, oui, monsieur en violet. Apparemment, il a été choisi pour sa coupe de cheveux. Bravo, monsieur. Oh, lui, il a une bonne tête. Il a une bonne tête de winner, lui, David. Je ne sais pas si c'est pour gagner les 100 000. Ouais, il va descendre sur le terrain dans une seconde. On se rappelle, on peut vous dire que ça doit être un peu intimidant de se retrouver au milieu du terrain devant 15 000 personnes. Très intimidant. Vous pouvez peut-être avoir un petit peu de flanc dans les bras hein, quand même. Hein. Ouais, jouer petit bras, on se rappelle. Ah, ouais. On se rappelle il y a 3-4 ans, il y en a un qui avait fait le malin, qui avait été choisi, il avait chambré un peu le public, il est arrivé dans le rond central. Il n'avait pas dépassé la ligne à 3 points, il s'était fait siffler. Alors. Il a déjà gagné là-bas. Alors, tu peux y voir si vous voulez participer aussi. Je suis à 100 000 euros, tu penses bien que tout le monde veuille participer. Là, alors, ce jeune homme, il va être accueilli, bah, on va écouter alors, son état civil. Comment je t'appelle? Thomas, quel âge as-tu? 27. Et d'où tu viens? Étant le frein est de la place. Thomas, je te rappelle la règle, il faut absolument shooter pour ce shoot la ligne légale avec des règles assez strictes, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas évidemment dépasser la ligne. Vous imaginez, le pauvre, s'il est mort sur la ligne et qu'il le met, il ne touchera pas les 100 000 euros. Il peut dépasser la ligne après avoir tiré, le ballon a quitté les mains, il peut dépasser la ligne du milieu. Mais le dernier appui va être derrière la ligne. Je te donne le ballon fatidique et tout Messi est avec toi. Il prend un petit peu d'élan. Allez, les joueurs français qui lui donnent des consignes. Il dit recule-toi, prends de l'élan. Apparemment, il calcule personne. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Il l'a mis! Il a pris de malade! Il a mis! Il a pris les 100 000 euros! C'est historique! Oh, c'est hallucinant! C'est vrai, on est à la télé. C'est énorme, c'est incroyable. Ficelle. Oh là là. Ficelle, là, là, là. Ah ouais, un respect. Ah, il peut faire le show. Respect, Thomas, c'est ça, c'est Thomas. Oh là là, et tous les joueurs des deux sélections qui viennent le checker. Il a écrit l'histoire, il prend 100 000 euros. Il va pouvoir payer un coup. Hein. Ouais, il a payé un petit canon quand même à ses potes. Incroyable, et puis, pas avec de la réussite, hein. La ficelle de chez Filoche. Regardez ça, extraordinaire. Oh là là, et la réaction. C'est bon. Tout le monde qui lui saute dessus. On écoute. T'as déjà un nouvel ami, 100 000 euros, David. T'as déjà un nouvel ami. C'est moi. Je suis ton ami, Thomas. Georges, on est son ami. Oui, alors ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'il n'a pas pris d'élan, il s'est mis derrière la ligne tranquillement, il a fait un vrai shoot de basket et il a fait swish. Alors, explique-nous, tu joues un peu au basket quand même? Oui, un peu, ouais. Alors, où ça? Allez, top, Morini. À quel niveau? Départemental. Oh, ben dis donc, tu mets souvent des shoots de milieu de terrain? Jamais. Oh là là, bah, ça tombe bien, ça tombe bien. Thomas! Tu rentres dans l'histoire, winner, David. Je t'avais dit. Ouais, ouais. Faire le tour exceptionnel. Du monde, car tu as gagné 100 000 euros. Extraordinaire. Moment.
moment de sport, parce que je peux vous dire qu'il faut le mettre ce shoot. Et cet anonyme devient star au milieu de Bercy. Et c'est il va faire le tour des télés et des sites internet. Et c'est Jean-Willy Mossé, le responsable marketing chez Nike, qui lui remet ce chèque de 100 000 euros. C'est du délire. Porté en triomphe par la sélection française. Quel moment! On n'aurait jamais imaginé voir ça au 28e All-Star Game, 28e édition de ce All-Star Game. Ce jeune homme venu des Tempes finit sur les épaules de Joe Passap Ducteil avec un chèque de 100 000 euros pour avoir mis ce panier du milieu du terrain. Allez, on va se refaire plaisir. On va se refaire plaisir. Regardez, sans élan, c'est dur sans élan. Et la salle qui devient folle. Est-ce que vous avez vu Jean-Marc Dupras sur le banc quand il a marqué? Non, j'ai pas vu. Il a fait un sprint, il a voulu sauter dessus. Il a dit bon, je vais pas y aller, je vais rester devant de réserve quand même. Oh là 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 là. Et puis là, ses amis, tous ses copains dans les tribunes deviennent complètement fous. Extraordinaire. Les amis vont en avoir beaucoup de nouveaux amis. Oui. Le temps qu'il a gagné 100 000 euros, ils vont en avoir de nouveaux amis. Et comme dès demain, il fait le zapping, voilà. Compliqué après d'aller. Je crois que pour aller acheter son pain à partir de demain, il met un chapeau et une moustache. Hein. Non. Merci Thomas. Exceptionnel. Waouh. Et bien après ce moment d'anthologie, on va vivre ensemble le dernier carton de ce match très serré entre Français et étrangers. Une soirée de rêve sur l'antenne de Sport Plus, avec juste derrière, le championnat d'Espagne avec le classico des classicos, Real Madrid-Barcelone. Un match qui va commencer dans quelques minutes. On le prendra en cours dès la fin de ce All-Star Game. On retrouve tout.